Ouais, salut Nora. Ah, nos vues sont restreintes. Donc, euh, il paraît qu'en ce moment, c'est la pandémie. Facebook, je ne sais pas, pas c'est périodique. Mais ils ont leur façon à eux de faire les choses. Il arrive des moments où ils commencent à bloquer, bloquer, bloquer tout le monde. On ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas. Voilà. Toujours est-il que tout le monde en ce moment-là est restreint. Voilà. tout le monde au restreint donc euh, je vais vous demander de partager massivement de sorte que même au restreint qu'on puisse avoir quand même euh, beaucoup de personnes connectées. boy j'avais voulu faire la vidéo à part mais, mais je me suis dit ça fait quand même trop de pages donc voilà malgré que les deux pages là sont restreintes on va aller avec comme ça parce que ça fait trop de pages en même temps que je vais vous imposer c'est pas bien les deux pages là c'est bon voilà, vous savez que si je suis pas ici je suis de l'autre côté là bas c'est bon Oh <laughs> il y a Carly seul qui demande ses 100 euros. <laughs> Des gens qui mettent déjà tête de mort. lui il, a, il a le bloqué. Voilà. Un certain Arsène, quoi, quoi, quoi. là. n'y voilà. même pas quoi commencer à parler. Tu sais même pas de quoi tu parles. Tu mets tête de mort. Ça veut dire que c'est ma personne même qui t'énerve. Alors pourquoi tu viens sur ma page Si ma personne même t'énerve, tu viens sur ma page, pourquoi au moins si j'entame un sujet et que le sujet ne te plaît pas, c'est autre chose. En plus, le sujet ne te plaît pas, tu es libre de te déconnecter. Tu ne peux pas oublier de mettre des mots. Ouais. J'ai lu un peu les commentaires de la vidéo d'hier soir. Ah les Ivoiriens, ou plutôt les Africains, parce que c'est pas une question du Varais seulement. Moussa, comment ça va So, <laughs> Bonjour d'abord. Bonjour. Comment ça va Ça va bien J'espère que y a le son. Vous m'entendez bien On est sur la même longueur d'onde. Ça c'est bien ça. Voilà, c'est Lee à l'appareil. Allô, vous êtes là C'est bien ça. Faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'avais déjà annoncé que la soirée allait être un échec. Et je vous ai promis une vidéo ce matin pour vous dire que après le 11, j'allais voir. Et j'allais vous dire ce qui s'est passé. Je voulais voir moi-même. J'étais curieux. Parce que moi, je savais que ça allait être un échec. Et j'ai vu hier, j'ai essayé de mentionner ça un peu dans ma petite vidéo d'hier soir. Et j'ai vu des gens qui ont dit Oh, toi, tu es trop aigri. Il faut l'encourager. C'est la première fois. Et tu as tant de trucs. Au fait, vous ne comprenez pas. Parce que vous n'avez jamais été organisateur d'événements. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Un, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du monde. Je l'ai dit hier qu'il y avait du monde. Je ne parle même pas d'abord de l'organisation, parce qu'on va en arriver à l'organisation. Je ne parle pas de l'organisation. L'organisation même a été mal faite, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Parce que vous parlez de l'organisation, c'est par rapport à ça. Vous dites c'est la première fois. Je comprends. Qui n'a jamais organisé un événement. Mais sachez une chose, il était épaulé par des gens et pas des moindres. Un gars comme Moulard, par exemple, qu'il a aidé dans son organisation. Moulard, c'est en Côte d'Ivoire, c'est un dieu des spectacles. Ah oui. Lui et Salfo, en tout cas Asalfo est un peu devant lui parce qu'Asalfo a plus de moins. Mais lui et Asalfo sont des dieux du showbiz. Organiser des événements pareils, c'est son truc, ça. Ça, c'est son truc. C'est dedans qu'il fait son argent. Produire les artistes, organiser les événements, c'est comme ça que Moula fait son argent. C'est de ça qu'il vit depuis plus de 10 ans. Donc Moula n'est pas à son, à son premier essai. Donc quand Moula coach quelqu'un pour organiser un tel événement et que c'est mal organisé. Il y a des questions qu'on doit se poser. Mais ce n'est pas de ça d'abord, je vais parler. On va en arriver dans cette vidéo, -là, on va en arriver là-dessus. On va arriver là-dessus et on va en parler, on va décortiquer. Mais je voulais parler d'abord de l'échec de l'événement lui-même. Vous voyez, lorsque on dit que c'est un award, c'est-à-dire qu'on doit donner des trophées à des blogueurs et que ces blogueurs sont nominés, c'est-à-dire qu'on a nommé ces blogueurs, -là. on a dit il y a X, ou bien il y a A qui sera là, il y a B qui sera là, il y a C qui sera là, il y a D qui sera ainsi de suite jusqu'à Z. Et que des gens se déplacent pour voir les gens qui ont été cités et qu'on ne voit pas ceux qui ont été cités pour qui on s'est déplacé, on ne les voit pas, c'est un échec. C'est ce que je veux dire. Moi, vous voyez. Moi, j'ai dit, c'est bien d'essayer, mais quand tu essaies quelque chose, mets tout ton sérieux dedans et sois sûr que ça va marcher comme il se doit. Vous voyez un peu, non Quand tu fais quelque chose, c'est bien de faire quelque chose. Mais quand tu fais là, il faut que tout le monde comprenne pourquoi la chose... Ok, on vous dit, par exemple, je prends une chose. On dit exposition de voiture. Une fois d'exposition de voiture. Et on invite des gens à venir voir des voitures. Et on arrive. Il y avait juste une seule voiture. Alors qu'on a parlé de la compagnie Maserati qui sera là. De la compagnie Tesla qui sera là avec ses nouveaux modèles. On a parlé de BMW qui sera là avec ses nouveaux modèles. modèles pardon. On a parlé de Mercedes qui sera là avec ses nouveaux modèles. On a parlé de Ross qui sera là. Ross Roy qui sera là avec ses, ses modèles. On a parlé de... Euh, quoi encore de Chrysler qui sera la un modèle on a parlé de Bentley qui sera la SM Model, ainsi de suite. Et on vient, on trouve seul Toyota qui est garé. Une seule Toyota. Ou bien on trouve Toyota avec Nissan. Et on ne trouve pas les autres. On va se dire, mais quoi Qu'est-ce qu qui se passe Où sont les autres Les autres ne sont pas venus. Pourtant, tout le monde s'est déplacé pour venir voir cette fois. Et on voit juste c'est un échec. C'est ce qu'on appelle l'échec, là. C'est ce qu'on appelle l'échec. Ça veut dire que si jamais tous les blogueurs venaient et qu'il n'y avait pas du monde et qu'il y avait juste quelques personnes qui sont venues à la soirée, ça allait être un échec. Si les gens viennent, du monde vient, et puis les gens à qui on doit remettre des trophées, parce qu'on a cité ici, vous avez vu les vidéos, oh toi, ton trophée est là, hein. Toi, ton trophée est là. Hein? Toi, ton trophée est là, viens, c'est moi-même, te remettre ton trophée, c'est moi maître. On a cité des gens. Au finish, on n'a pas vu ces gens-là. C'est un échec. Moi, je ne suis pas dans vos émotions. Hein? Et je ne suis pas contre le petit. Moi, je dis que, j'ai dit dans ma vidéo d'hier, j'ai dit le petit ferait mieux d'organiser des spectacles. Mais afin d'organiser des trucs des blogueurs, à ne qu'à laisser. Si c'était une soirée zoglou, j'allais dire que ça a réussi. Si c'était un mariage, j'allais dire ça a réussi. Si c'était juste euh, euh, une rencontre, c'était juste euh, une rencontre entre Africains où on organise un truc comme ça, j'allais dire ça a réussi. Mais on dit on dit blogueur. Quand on va leur remettre des trophées, je n'ai pas vu de blogueur là-bas. En tout cas, je n'ai pas vu de blogueur influent là-bas. C'est un échec. J'ai vu plutôt balle poussière, comme aux Zouglou à Paris là. C'est un zoulou deux, mais encore plus, peut-être un peu plus raffiné, avec des gens qui s'étaient sapés comme s'ils partaient à un mariage. C'est tout ce que j'ai vu. C'était beau en couleur, mais les gens pour qui les gens sont partis n'étaient pas là. C'est un échec total. Ce n'est pas un échec à moitié, c'est un échec total. Si au moins tous ceux qu'on avait cités étaient venus. On m'a dit, j'ai vu par des vidéos. Oh, Mokobe est là On a cité Mokobe jusqu'à comme si c'était Mokobe même qui était l'invité principal. Comme si, sur l'affiche, comme s'il y avait le nom de Mokobe qu'on avait dit qu'on allait donner un trophée à Mokobe en tant que blogueur. Je savais, moi, je ne savais pas que Mokobe était blogueur. On a cité Moula. Moula n'est pas un blogueur. Moula, c'est un artiste, chanteur, arrangeur et producteur. Bon, on m'a cité un nombre de personnes. Qui n'ont rien à voir avec tout ce que. Regardez vous-même, c'est vous qui avez partagé l'affiche. C'est vous-même qui avez partagé l'affiche. Regardez dessus les noms, les photos qu'ils ont mis dessus là. Regardez bien sur l'affiche là. Les photos qu'on a mis dessus. Et puis maintenant, dites-moi parmi ces gens là, qui étaient là-bas Il n'y a personne. Et quand on parle de ça, au fait, vous ne voulez pas tirer la, une leçon. Alors que moi, mon intention, c'est que vous tirez une leçon de cet échec là. C'est un échec. Vous devez en tirer une leçon et savoir désormais comment faire. C'est pourquoi je suis là. Je fais le décryptage. Je regarde une situation et je décrypte. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment ça aurait pu être fait, c'est ça le décryptage. Je n'ai rien contre quelqu'un. Je n'en veux à personne. Ce n'est pas moi qu'ils ont pris pour faire chaise et puis ils se sont assis sur moi là-bas. Non. Ce n'est pas dans ma poche qu'ils ont enlevé leurs 100 dollars, 100 euros, 100 euros qu'ils ont dépensé là. Ce n'est pas dans ma poche. Je n'ai rien à cirer avec. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Même c'était Miss Côte d'Ivoire qui avait organisé Miss Côte d'Ivoire. Et puis les gens sont partis nombreux, mais les misses ne sont pas venus. On voit seulement euh, Miss Divo qui était là. Et puis on voit seulement Miss euh, Yam qui était là. Et les autres misses n'étaient pas là. J'allais dire, j'allais faire un décryptage. Vous-même, vous alliez faire vidéo pour dire c'était un échec. Vous-même qui êtes là, là, vous alliez faire vidéo ou bien vous alliez faire des posts pour dire que c'est un échec. Mais c'est de ça que je parle. Je fais juste un décryptage intelligent, sans émotion. Je ne suis pas dans le truc. Non, supporter l'enfant. Si vous voulez vraiment le supporter là, vous le connaissez, hein. Vous connaissez son numéro qui est affiché sur sa page. Envoyez-lui de l'argent. Il en a besoin. Voilà comment on supporte quelqu'un. Comme ça, il va payer ses factures, il va manger. Il a payé le billet d'avion de sa maman, non. Voilà, il va faire choses. Voilà. Il va loger sa maman à l'hôtel. Envoyez de l'argent à l'enfant là. Si vous voulez vraiment le supporter, mais ne venez pas. Nous parlons de choses. Il faut que des gens qui regardent en tirent des leçons. Des gens qui nous regardent doivent en tirer une leçon. Voilà. Ce qui a échoué, parce qu'on ne peut pas dire qu'on organise une soirée de blogueurs alors qu'on se retrouve carrément dans une soirée zouglou où on vient, ça parle, voyons, 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 voyons. Des gens sont là, ça boit, arrêté, ça fait chaud. C'est juste un bal populaire, c'est comme, si comme si on se retrouvait à Yop City dans les années 90. A Yop City, si tu vois l'ego saper. Ah non, j'ai oublié un peu. Les cocos, les cocos sont pas c'est les cocos, les cocos, ils vivent dans la poche de leurs camarades. Ceux-là, c'est les cocos, c'est les cocos. A Yop City, si tu vois les... on est dans les cheveux. Je, non, je, bon, ok, j'ai oublié la chanson, ça fait longtemps. Bon, c'est comme si on se retrouvait à Yop City avant, non loin de Saint-André. Et pourtant, la soirée n'était pas faite pour être organisée comme une soirée Zouglou. Maintenant, je lui dis, comme il a tiré les conséquences de cela, comme il a su comment, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, il a su qu'il peut rassembler du monde quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut réfléchir. Je suis capable de rassembler du monde dans une salle où je peux prendre 100 dollars, 100 dollars. Ça, déjà, il sait ça. Ça, ça c'est sa force, déjà. Au lieu de maintenant, désormais, truc de blogueur, il n'est qu'à remplacer ça par autre chose, maintenant. Peut-être juste une soirée où il va inviter des artistes depuis Abidjan, ou d'ailleurs, ou les Mokobé, comme vous l'avez situé, comme, comme les Mokobé que vous avez cités là. Envoyer ce genre de personnes-là. Et puis les gens vont chanter. Et puis voilà, les moulards vont chanter. Tout le monde va s'amuser. Et puis voilà, la soirée est belle. Tout le monde rentre à la maison. Ça, c'est possible. Parce qu'on a compris qu'avec l'accord, avec l'aide euh, de moulards et autres, on a vu qu'il peut rassembler du monde dans une salle. Ça, c'est possible. Jusqu'on dit que c'était bourré jusqu'à euh, déjà même attendaient dehors. Ça, c'est déjà quelque chose. Comment maintenant il faut gagner transforme maintenant la chose, ça veut dire que tu deviens maintenant un promoteur d'artistes, ça veut dire que tu fais des spectacles maintenant. Parce que jusque-là, on n'a pas encore vu un promoteur d'artistes en France à réussir ce que toi tu as réussi. Aucun promoteur, bon c'est vrai, il y a des gens qui invitent des artistes pour les faire euh, pour les faire même chanter au Zénith et tout ça, ça c'est les grands grands grands. Mais toi, pour un premier essai, si tu peux réunir, réunir des gens comme ça, maintenant il faut savoir maintenant dans quelle intention. Parce que pour les blogueurs ça a échoué. Donc maintenant, comme tu sais que tu as la capacité de réunir du monde dans une salle, cherche plutôt autre chose. Voilà ce que je dis, pour que ça marche, pour que désormais qu'on ne dise plus que non, ça a échoué. Pour que désormais qu'on ne dise plus que ça a échoué. Mais cette soirée-là, le but n'a pas été atteint. Elle a échoué. En plus maintenant, parlons maintenant de l'organisation même. Quand on organise une soirée de haut niveau où on veut que tout le monde soit bien mis et tout et tout, les gens ne défilent pas, ils ne s'asseyent pas pour attraper des bouteilles à mettre pour boire. Apparemment, il n'y a même pas de sécurité. Il faut convier des agents de sécurité qui vont venir mettre de l'ordre dedans. Des filles, des hôtesses qui vont asseoir des gens à leur place et leur dire Non, asseyez-vous, parce que ce n'est pas du n'importe quoi. Il y a des gens très sérieux qui sont assis dans la salle. Donc asseyez-vous. Vous êtes là, on vous sert votre boisson, vous avez, et vous buvez votre boisson. Mais les gens se déplaçaient par. J'ai cru que vous étiez au Zouglou. J'ai pensé sérieusement que on était à une soirée Zouglou. Moi, c'est ce que j'ai vu. À part le fait que bon, soirée Zouglou, tout le monde a une jean et que cette fois-ci, des gens étaient en costume et tout et tout, c'est la seule différence. Sinon, j'ai vu juste une soirée Zouglou avec plein de babadage, de wo 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 wow, wa wow, wa wow, 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 wow. ça parle ici, ça parle. Les gens viennent, chacun vient, il se montre, il fait choses. Voilà. Vous voyez, on n'a pas vu des soirées où des personnalités, c'est-à-dire que les conviés viennent pour prendre photos avec un décor en derrière eux un bon décor où les gens défilent avec des caméras dans la lumière et puis prennent des photos ensemble les trucs comme on le voit ici à la télévision on n'a pas vu ça et ces photos là c'est pour pouvoir faire des publicités ça c'est les maintenant les, les agences qui doivent maintenant sponsoriser ça donc eux ils mettent derrière derrière là un truc euh, un papier peint avec euh, les logos des différentes compagnies qui sponsorisent. Et puis, les, les invités sont très bien sapés avec des nœuds papillons. Et puis, ils viennent prendre des photos là. Voilà. Ils, prennent, ils viennent prendre des photos là. Et c'est les organisateurs qui. Euh, les choses comment les, les agences de publicité, les, les compagnies plutôt, qui payent ça. Donc, les gens qui vont venir prendre photo à même sont rémunérés par prise de photo. Voilà comment ça s'organise. Voilà comment ça s'organise. Moi, j'ai vu une autre soirée, vous me parlez des réussite. Où est la réussite Que quelqu'un me dise ce qui a réussi là. Parce qu'il y avait du monde. Non, il y avait du monde. Le but, c'était pour réunir du monde ou le but, c'était pour faire, pour euh, honorer des gens Le but, c'est qu'on devrait venir voir des stars. Des stars des réseaux sociaux qu'on devait honorer. Est-ce que ce but a été atteint Non. Non. Et on parle et puis vous parlez de... Non, tu es jaloux. Es, je vais être jaloux de quoi tu vois, moi je son père Il n'y pas de problème. Moi, je suis en père, je n'ai pas de problème. Mais il dit que c'est un échec. Et là, là, je me rends compte même que Moula même a échoué, ou soit il a sous-estimé la chose. Il n'a pas vraiment aidé le petit à, à organiser la chose comme il se doit. Parce que lui, Moula n'organise pas ses soirées comme ça. Quand lui, il organise ses soirées à Abidjan, Ce n'est pas comme ça. Où les gens viennent, ils sont arrêtés, puis ça parle Oya, Oya, Oya. Non. Non. Moulin ne peut pas me dire le contraire. Allez-y voir les, les choses. de vie, les choses. On n'a pas dit c'est un concert. Un concert, là, là on peut voir les Ouya Ouya comme ça. Ce n'est pas un concert. Non, 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 non. Ce n'est pas un concert. C'est une soirée comme euh, à l'image de Miss Côte d'Ivoire, où les gens sont, doivent s'asseoir intelligemment. Quand vous regardez Miss Côte d'Ivoire, chaque fois, là, vous ne voyez pas les invités, là, les, les participants. Là. Quand les gens payent, là, tout le monde est assis. Tout ce qu'il faut, c'est d'applaudir. Ou bien écrit, oh mais vous est-ce que vous les voyez en train de bouger avec des bouteilles de champagne, vous les voyez Est-ce que vous les voyez faire ça Non. C'est ça, on dit. Parce que les soirées là, il y a plusieurs façons d'organiser tu, tu veux organiser une soirée balle populaire, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça la Soirée balle populaire. Mais sinon si tu veux organiser réellement une soirée. BCBG, c'est bon chic, bon genre. <laughs> ça, ce n'était pas une soirée, bon chic, bon genre. En tout cas, la soirée était belle en couleur, avec des rideaux que j'ai vus. Des gens ont fait l'effort de s'habiller, C'était ont fait l'effort de s'habiller, d'autres se sont habillés vraiment comme <laughs> ça va se voir, quoi. Voilà, voilà, ben c'est pas grave, toujours est-il que voilà. On peut pas, on peut pas porter ce qu'on n'a pas. On porte ce qu'on a, voilà, donc c'est bon. Voilà. Donc je comprends. Mais, euh, de là, dit que la soirée a, a réussi, nah, nah. La soirée n'a pas réussi. La soirée a été un échec, un fiasco total. Un fiasco total. Les gens me disent, les gens me disent non, il y avait eu seulement des Camerounais, mais des Camerounais, c'est des Ivoiriens, c'est des Africains. Peu importe ceux, ceux qui étaient là. Mais est-ce qu'ils ont été servis? Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? Non. Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? J'ai entendu dire que comment des choses étaient là. Flore de Lille était là. OK. Et puis qui encore? Hmm. Joe, les gens qu'on nous a annoncé On nous a annoncé La majorité des, euh, des blogueurs Ivoiriens Et ces blogueurs Ivoiriens N'étaient pas là Aya n'était pas là Yaka n'était pas là euh, La Guénon n'était pas là Camille Makoso n'était pas là Voilà les gens qu'on nous a annoncé Et c'est par rapport à cette fiche là Que moi j'avais dit que la soirée allait échouer voilà. Maintenant, si vous préférez dire qu'elle a, a réussi, elle a réussi, pour ne pas que les gens encaissent leur argent, ah oui, parce que moi, à leur place, moi, j'encaisserai mon argent. Je ne leur demande pas d'aller encaisser leur argent. Je dis moi. Si c'est moi, j'allais prendre mes 100 dollars, mes 100 euros. Parce que ce n'est pas pour ça. On ne m'a pas invité pour m'asseoir là et puis boire. On m'a invité pour voir des gens. Et ces gens-là ne sont pas venus, on doit me rembourser mon argent. Vous voyez, il y a des soirées ici qui se sont organisées où on a invité des artistes. C'est bourré. Souvent même à des stades. On a vu Kofi Olomide ici en Côte d'Ivoire. C'est Kofi Olomide. Ou ouais, c'est Kofi Olomide. On a vu Kofi Olomide ici en Côte d'Ivoire. Des gens payés, ils sont venus. Kofi Olomide est venu. Il n'a pas fini le spectacle, il est reparti. Lui non, lui, il ne peut pas faire quelque chose qu On n'a pas payé le reste de son cachet. Il est parti, ça fait le buzz ici en Côte d'Ivoire. Le promoteur est obligé de rembourser les gens le promoteur, il était obligé de rembourser les gens. sont partis en nombre, ils sont allés voir Kofi Olomide. Mais Kofi Lomide, il est venu, il s'est présenté, tout et tout. Il n'a pas, il a chanté une chanson ou quelque chose, quoi. Il devrait rester là. Un temps. Vous avez promis un temps de spectacle. Le temps de spectacle n'a pas été respecté. Vous avez promis de telle heure à telle heure. Le gars vient, il fait acte de présence, il chante un peu. Il finit pas la soirée et puis il demande son cachet. Vous ne payez pas son cachet. Il se lève, il s'en va. La soirée n'est pas finie. Les gens ont le droit de demander leurs choses, leur dû Non, vous devez rembourser. C'est comme ça que les promoteurs vont en prison. C'est pourquoi ce n'est pas facile. On ne se lève pas pour être promoteur. Non, il faut être sûr, il faut tout boucler. Il faut tout boucler. D'abord, hein, j'ai été surpris du fait que la soirée, on dit qu'il y a des gens qui seront là, mais on ne sait même pas combien ils allaient gagner. Non, les gens doivent savoir. Mise Côte d'Ivoire, les gens savent déjà ce qu'ils vont gagner. On sait que la mise va gagner une voiture, on sait qu'elle va avoir une maison, patati, patata, on site. Vous voulez prendre des gens pour avoir de l'argent sur leur dos et eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils gagnent. Vous parlez de trophées, juste des trucs en aluminium. Ils vont payer des habits chers. Vous savez ce que coûte, combien coûte un costume Un vrai costume, je ne vous parle pas de vos yakayaka yaka hein? Vous savez combien coûte un vrai costume Un vrai costume <laughs> Avec des paires, parce que la soirée doit être belle. Minimum que vous pouvez dépenser pour vous qui n'avez pas l'argent, c'est au moins 500, 500 dollars ou 500 euros pour la paire de souliers. C'est une, une soirée prestigieuse. Ah oui. Et tu vas aller, tu vas dépenser tout ça, tu vas là. Toi, tu gagnes quoi Rien Non. Tous les gens qui se déplacent, eux tous gagnent quelque chose. Les gens qu'on cite, qu'on prend ton nom pour dire que tu dois venir à une soirée, et qu'on organise une soirée avec ton image, on doit te donner de l'argent. Voilà comment les soirées, les soirées -là réussissent. On ne dit pas venez. On ne dit pas venez. Venez, 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 vous allez avoir des, des choses, des bouteilles en, en aluminium. Peut-être que c'est casserole même qu'on a pris et puis on a fait chose, on, en a, on a transformé ça en chose, en trophée et puis on dit non on va donner des trophées. c'est quoi ça Non c'est pas comme ça ça marche. C'est du business. Le blogueur d'abord c'est du business. Son déplacement. Vous ne voyez pas même les gens qu'on invite là, qu'on invite les Akmokassa, les Amon -Am 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 euh, les Am -Chic, les trucs là. On paye leur billet d'avion. On paye leur logement et puis on, paye, on leur donne un cachet. Ce n'est pas pour rien. Vous pensez que c'est un jeu, quoi. Donc, tu vas prendre tes amis blogueurs, ils vont venir s'asseoir et puis, ouais, toi, tu vas t'empocher tout le pactole et puis, eux, ils vont venir faire ta soirée et puis, ils vont aller retourner chez eux, quoi. Et puis, ils ont dépensé un transport en billet d'avion pour ceux qui prennent billet d'avion et tout ça, ils ont dépensé et puis, ils ne gagnent rien. Non, c'est du business. S'ils doivent dormir là-bas parce qu'ils s'en vont aujourd'hui, ils vont revenir demain. Son temps, là, il faut que ce soit payé. Parce que tu, tu fais de l'argent. Ce pas une soirée gratuite, gratuite pardon. Ce pas une soirée gratuite. Cette soirée est payante. Alors les autres gagnent quoi? Vous ne leur avez rien dit. Donc, il n'y a pas eu de motivation. Comme il n'y a pas eu de motivation, donc c'est revenu comme une affaire de non, bon, je te rends service. Je te rends service. Je te rends service. Donc je ne vais pas, puisque je te rends service. Je te rends service et tu ne me respectes pas. Donc je ne vais pas. Parce que je voulais t'aider. Je voulais t'aider à avoir de l'argent. Je voulais que tu mettes de l'argent en poche. Mais puisque tu ne me respectes pas, et puis toi aussi, tu mets du sable dans mon attiqué. Donc moi aussi, je ne vais pas pour te donner l'argent. Tellement simple, voilà comment ça s'était passé. C'est aussi chacun gagné là. Il sait qu'il ne va pas là-bas pour tes beaux yeux. Ce n'est pas pour toi Il va là-bas. Il va parce qu'il a son argent. Tu lui payes la moitié avant la soirée. Tu lui payes déjà son cachet. Et puis il se déplace. Son hôtel est payé. Tout, tout est payé. Voilà. Et puis il faut une sécurité. Il faut leur donner la sécurité. Parce que les blogueurs, c'est des gens publics. Voilà. Ils ont besoin de sécurité. Donc il faut que la sécurité soit là. Un tapis rouge dé déroulé devant. Quand ils descendent là, il y a des photographes, il y a des choses qui sont là. Donc ils marchent sur le tapis rouge et puis ça, on s'asseoir. Ils ont leur coin où ils s'asseyent, dedans là-bas. Et puis maintenant, les autres là ont leur coin où ils s'asseyent. Le premier rang, généralement, c'est eux. Et leur premier rang est séparé toujours des autres. Voilà comment les choses se font. Ah oui. Quand vous ne connaissez pas, apprenez en regardant, regardez beaucoup de vidéos des autres. Comment les Américains font, comment ils vont en Côte d'Ivoire on fait. C'est comme ça, ça se fait. Quand tu as regardé ça là, et puis tu viens maintenant, tu dis, ah ok, donc c'est comme ça, les gens ils aiment, ils, ils organisent d'habitude, ok. Et puis tu, 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 tu te formes toi-même, et puis tu t'organises aussi. Mais vous regardez, et puis vous pensez que non, tout le monde est petit, quoi. Non, hey, venez, il hein? y a la soirée des blogueurs. Il y a la soirée des blogueurs, et puis tchac, 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 ceux qui aiment les diaries là, les diaries UH, là vont lever, bla, bla, bla 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 Et puis ils vont aller s'asseoir là-bas. Eh, j'ai dit blogueur, hein? Ah ok, il faut t'asseoir ici. On va faire la soirée. Et puis maintenant, à la fin, toi, il y a du monde. 100 dollars, 100 dollars. Je me dis que si je veux prendre même seulement 300 personnes, vous savez combien ça fait à raison de 100 euros, 100 euros 100 euros, 100 euros par 300. On n'a qu'à ajouter seulement 2 euros sur les 300. 2 euros. Ça fait 300 000 euros. Je crois que c'est ça, hein? Ça fait 30 000 euros, pardon, pas 300 000. Ça fait 30 000 euros. Donc 30 000 euros, là, toi seul, tu vas empocher ça. Hein? Et puis les autres, ils vont venir boire juste euh, une bouteille de champagne. Ils ont payé à billes, ils ont fait choses et puis ils vont aller dormir. 300 personnes sont venues regarder à raison de 100 euros, 100 euros, 100 euros. Peut-être dans tout ça, toi tu as dépensé peut-être 2 000 euros pour organiser tout ça, ou bien 2 500 euros. Et le reste de l'argent. Tu vois, tu vas empocher ça. Et puis eux ils vont aller quoi Et puis ils vont regarder. Et puis après ils se lèvent, ils payent leur hôtel, ils payent leur billet, ils payent leur carburant, leur nourriture, tout et tout, et puis ça va. Trop facile. Non. Faites les choses de façon sérieuse. Ceux qui sont guaris, c'est là, là qu'on a vu qu'il y a des gens qui sont vraiment gary, qui manquent de popularité. Parce que quelqu'un qui connaît le business, les réseaux sociaux d'abord, Facebook et tout ça, c'est d'abord du business. Vous même, vous voyez. Facebook, même lui-même, pour faire ta promotion, tu payes. Oh Facebook là pour faire promotion même de ta vidéo que tu as mis, là, tu payes. Facebook même te paye pour que tu fasses vidéo. YouTube te paye parce que tu fais vidéo. Instagram, tout ça là, te paye pour que tu fasses vidéo. C'est du business. Donc toi, tu vas te lever, tu vas aller t'asseoir quelque part et puis tu ne gagnes rien. Et puis tu ne gagnes rien. Alors que ton nom a été mis sur affiche. Si on ne t'a pas cité, si on ne t'a pas invité, que toi-même tu t'es levé pour partir, c'est autre chose. Ça te risque et péril. Mais toi-même, on a mis ton nom sur l'affiche. Ça que ça a rapporté de l'argent. Avant même qu'on ne mette ton nom sur la l'affiche euh, là. Mais déjà, vous avez un contrat déjà. Avant même que ton nom soit là-bas. Sinon, celui qui met ton nom là-bas, déjà, même là, tu peux le sous. Tu l'envoies en justice. Parce qu'il va faire de l'argent avec ton nom. Ton nom, c'est une marque. Tous les blogueurs que vous voyez là, leur nom, c'est une marque. La preuve. Quand on ferme sa page, ils ont créé une autre page. Quand vous voyez son nom, vous courez. Vous courez pour vous abonner là-bas parce que son nom, c'est une marque. Et dans ça, là, donc, quelqu'un va venir s'asseoir et puis lui va s'empocher l'argent. Donc, ça veut dire que ça serait la preuve, si vraiment les gens étaient partis, ça serait la preuve que lui, il est plus intelligent que eux tous. En fait, ça veut dire que, que eux-mêmes, ils ne savent même pas. Ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ceux qui iront là-bas, c'est ceux, comme je le dis, je répète encore, c'est ceux qui sont jaouris, qui n'ont pas de popularité. Et c'est là qu'on voit les gens qui n'ont pas de popularité, qui en, qui en cherchent. Des gens qui sont les choses comme les gens à la richesse de vue, ils veulent qu'on les voie, ceux qui aiment trop l'honneur. Nous sommes dans du business. Même mon t-shirt, si je prends moi mon t-shirt ça là. À supposer que j'ai payé ce t-shirt par exemple à 100 et à 100 dollars. Si j'enlève ce t-shirt t-shirt là, puis je dis on dit c'est le t-shirt de Bob Lee. Quelqu'un peut vendre ce t-shirt là à 500 dollars. Juste parce que ce t-shirt ça appartient à Bob Lee, c'est une marque. Si on dit une star apporté quelque chose, si Beyoncé prend comme ça son slip qu'elle enlève et puis elle dit qu'elle vend ça à 30 000 dollars, les gens vont payer. Parce que c'est Beyoncé qui a apporté ça. Alors que c'est juste un slip qui se retrouvait dans un magasin quelque part là-bas, peut-être qui coûte même peut -être 50 euros et 50 dollars. Mais juste parce que Beyoncé a apporté ça, ça a pris de la valeur. Dès que Beyoncé a apporté ça là, et puis elle a enlevé ça, et puis tout le monde a vu. Ça a pris de la valeur. C'est ça. Tous les jours que je porte des choses ici, les gens m'appellent. Mais pourtant, ils voient dans les magasins. Mais les gens m'appellent pour savoir. Ce... Moi, ils veulent payer forcément ce que moi j'ai porté là. Les gens veulent acheter ma montre. Les gens veulent acheter mes habits. Tout ce que je porte, les gens veulent acheter. Je suis une marque. On n'invite pas quelqu'un qui est une marque. Une institution. Toi-même, tu es une institution. Et puis on t'invite et puis on fait l'argent sur ton dos sans que rien ne rentre dans ta poche. Non, arrêtez ça. Je ne parle pas parce que je vois des gens ici qui font des commentaires bizarres. Ces gens sont ignorants. Moi, je vous dis que je parle à ceux qui ont un langage soutenu. C'est-à-dire que ceux qui comprennent aussi les choses. C'est-à-dire que ceux qui savent ce que c'est qu'un blogueur, vous voyez... Vous, respectez, vous ne respectez pas souvent peut-être vos blogueurs là-bas en France, là-bas, parce que vous les voyez tous les jours lutter, marmite avec vous, euh, lutter, gratin, comment on appelle ça, crou de riz, dans les marmites, dans les restaurants avec vous. Vous les voyez tous les jours prendre des rêves, euh, vous les voyez souvent sur les vélos, les trucs, quoi. C'est pourquoi vous les respectez pas Ah oui, oui, oui. Sinon, je vais vous dire hein, une confidence. Jésus que vous voyez là, le sang qui circule dans moi là, c'est la même chose qui circule dans lui. Il est né d'une femme. Il est né d'un homme. On l'a frappé quand il était petit. Il est tombé quand il était petit. On lui a donné cocotta quand il était petit. Il a fréquenté dans les mêmes écoles que tous ceux qui sont aux États-Unis. Mais vous savez, ce qui fait la différence, c'est qu'il est Gaisy qu désormais. Il est Gaisy. Son nom de famille qu'il portait là, ce n'est plus ça. C'est Gezi. Jay-Z ne prend pas rien avec vous. Donc, le jour où on vous dit que Jay-Z arrive à Paris là-bas, vous allez courir pour aller le voir. Parce qu'il ne prend pas rien avec vous. Parce qu'il ne prend pas métro avec vous. Parce qu'il ne prend pas bus avec vous. Parce que vous n'allez pas le voir à un arrêt de bus. Ça, c'est du Jay-Z. Même s'il n'a pas l'argent, il va tout faire pour prendre voiture de quelqu'un pour faire ses courses. Ça, c'est Jay-Z. Parce qu'il s'appelle Jay-Z. Tu ne peux pas prétendre être une star. Et puis prendre rêve Et puis être sur vélo. Et tu es toujours là où tout le monde est. Les gens te voient tous les jours. Tu dis tu es star. Tu es quelle star? Vous avez déjà touché une étoile? Étoile là, star là, c'est en anglais. Ça veut dire étoile. Est-ce que les étoiles que vous voyez en haut là, vous avez déjà touché étoile. Vous ne pouvez pas toucher étoile. C'est très éloigné de vous. Vous voyez, ça brille. Mais c'est intouchable. Voilà. C'est intouchable. Le jour où tu veux vouloir, tu vas, tu vas vouloir être nécessairement proche ou même toucher une étoile, tu vas faire trop d'efforts. Ça va te demander des, des efforts que tu n'as jamais fait de ta vie. C'est ça. Pour voir un concert de Beyoncé, tu as besoin de faire des efforts, payer cher pour ça. Tu y es toute une journée, t'as prêté pour ça toi et ta famille pour aller voir Beyoncé parce que tu ne, le, tu ne la vois pas toujours. Ce n'est pas tous les jours que tu peux la voir. Tu ne peux pas la voir dans le temps de Dallas. Tu ne peux pas la voir dans les rues quelque part, en train de réparer une de voiture. Donc, c'est la seule occasion que tu as, tu vas voir de. C'est la seule occasion que tu vas voir voir Beyoncé en train, de, en train de danser et faire tout ce que tu vois à la télévision. Pour une fois, tu vas la voir. Peut-être qu'avec un peu plus de chance, tu peux la toucher une seule fois. Peut-être que tu n'as pas lavé ta main pendant des jours. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vous parle pas de vos émotions. Vous ne, ne connaissez pas les choses. Parce que certains même sont sur Facebook, mais ne savent même pas dans quoi ils sont. Vous voyez les, La façon dont vous nous insultez là, les Beyoncé sont insultés comme ça, les Gezi sont insultés comme ça, les Rihanna sont insultés comme ça. Même le président des États-Unis est insulté comme ça, sur sa page. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Il n'y a pas exception. Le président des États-Unis, le président russe, sur sa page Facebook, on l'insulte comme ça. Je te vous parle des présidents, les puissances, là, les grandes puissances. Ils sont insultés sur les pages. de la façon dont nous insultez. Ce n'est pas parce que c'est nous. Hein? Non, 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 non. Tout le monde est insulté comme ça. Pour rien, les gens les insultent mal même. L'ancien président même là, lui-même, lui-même les caca même dans leurs mains. Ils, ils ont même pris des gens, des sosies. Ils ont fait plein de choses sur lui. Mais il reste le président des États-Unis. Et n'importe qui n'a pas assez à lui. Tu ne peux pas le voir dans un marché, entrer pousser quelque chose, entrer faire son marché parce que c'est le président des États-Unis. Le jour où tu vois par hasard Beyoncé dans un, un magasin de luxe en France, tu vas crier Wow, j'ai vu Beyoncé. Tu vas venir raconter à tous tes amis. C'est comme ça. Le jour où tu as la chance de voir Don Giovanni, tu vas raconter à tous tes amis. J'ai vu Don Giovanni aujourd'hui, il était dans tel magasin. C'est comme ça. Et pourtant tu vois du monde là-bas. Pourquoi c'est lui? Son nom tu as dit. Parce que Don Giovanni, il est connu. Il est populaire, c'est une étoile. Tu vas raconter à tes amis. Oh mais j'ai vu, ton je vais sa grosse tête. c'est comme ça, sa tête est grosse. Tiens, tu sais, moi je savais pas. J'ai vu, tu as m'insulté, mais quand même tu as raconté à tes amis que tu m'as vu. Pourtant on était des milliers dans le magasin là-bas. Tu n'as pas parlé des autres, mais tu as parlé de moi. Malgré que tu m'insultes là, mais tu as parlé de moi. Ça veut dire que je suis important. Ça veut dire que je suis une étoile. Sur les autres qui sont là-bas, tu les connais pas. Tu n'as pas parlé d'eux parce qu'ils sont pas des étoiles, ils sont rien. C'est ça, une star. Donc quand as une, on est une star, on doit savoir se comporter. Quelqu'un ne peut pas t'inviter pour rien. Non, 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 non. Moi, je suis une star. Moi, en tout cas, je me considère comme star désormais. Avant, je ne prenais pas la chose comme ça. Quand je faisais les trucs politiques. Mais désormais, j'ai compris que je suis une star. Même tu dois m'inviter à ton anniversaire. Tu dois me payer un cachet. Moi, pour être simplement présent à ton anniversaire, tu dois me payer quelque chose. Mm -mm. Ah, c'est clair. Tu as un événement, tu as un mariage, tu veux que je sois là, tu vas payer. Juste parce que je vais m'asseoir là. Parce que quand tu vas dire aux, aux gens que Don Giovanni est là, il y a des gens qui vont venir spécialement, qui ne connaissent même pas la personne, mais qui vont venir spécialement parce que Don Giovanni est là. Ils vont profiter pour voir Don Giovanni. Donc pour ça, ils vont partir. Vous comprenez, non? Donc, quand on est blogueur et puis on sait que ta page fait des milliers de vues. Et que quand tu parles, même si en ce moment, je suis en train de parler là, j'ai 804 personnes connectées. 804 personnes connectées. Mais vous allez voir, quand j'ai fini la vidéo, les gens vont prendre la vidéo, ils vont mettre ça ailleurs. Ça va faire des milliers de vues là-bas. Parce que ma page est récente. Ceux qui n'ont pas de page récente là, ceux dont la page est encore fluide, quand ils vont mettre la vidéo là-bas, elle a fait du monde. Pourquoi Parce qu'on sait que c'est Don Giovanni qui parle là-bas. On sait que c'est Bob Lee qui parle là-bas. Tout le monde ira voir ce que Bob Lee a dit. Parce qu'on connaît Bob Lee. On sait que quand il sort, c'est dangereux. On sait que quand il sort, c'est vérité seulement qui sort de sa bouche. Et pour ça, il y a des gens qui m'aiment. Il y a des gens qui sont prêts pour moi. Vous comprenez, non? Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, ou n'importe où, il suffit de dire mon nom. Il y a des coins où on me reçoit. Sans demander ma carrière, on sait que c'est moi. Toi, quand tu as parti là, on va te dire passe demain, passe après demain, passe après demain, parce que je suis connu. Je suis une star. Voilà. En 2019, je suis allé en Côte d'Ivoire. Dès que je suis allé, arrivé à l'aéroport, il y a quelqu'un qui m'a dit je vais te déposer il m'a déposé jusqu'à la maison. Il m'a pris de l'aéroport. Gratuitement. Il m'a pris dans sa voiture jusqu'à déposé. Parce que je suis une star. Pourtant, il y a plein là-bas qui venaient d'arriver d'avion comme moi. Il les a vus, il ne les a pas pris. Il ne les connaît pas. Mais moi, je suis connu, il m'a pris, il m'a déposé. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui me font des dons parce que je suis connu. Il y a des gens qui m'envoient simplement l'argent. Juste parce qu'il est content, il voudrait que j'utilise son argent. Et il m'envoie l'argent. Parce que je suis connu, ils font des dons. C'est ça, une star. Donc tu ne peux pas envoyer, tu peux pas inviter une star à ton événement, et puis toi tu vas prendre l'argent et tu vas mettre en poche. Pareil, tu es plus intelligent, quoi. Ceux qui sont bêtes ont mordu à la maison, mais ceux qui sont intelligents n'ont pas mordu à la maison. Il hey. y a quelqu'un qui se fait appeler, sortir la face qui dit que, que non, c'est 700, 700 et que, tu oublies qu'au moment où je parlais, c'était 804. Pourquoi en ce moment, tu n'as pas écrit Au moins je disais, c'est 804. Tu as attendu que ça vienne à 781 pour dire que non, eh, c'est 700. N'importe quoi. Au fait, je vais vous dire une chose. Tout le monde sait que ma page est récente. Parce que je vais te dire, on a été les premiers à faire les vues ici, le nombre de vues. Et nous sommes les plus attaqués. Moi, précisément, je suis le plus attaqué. Moi-même, j'ai fermé une page. Mais à part, à, part, à part la page que moi-même j'ai fermée là, Facebook a fermé 17 de mes pages. 17 de mes pages. Et la page qui avait moins d'abonnés faisait 45 000 abonnés. Les autres là, c'est 160 000. 140 000. Plus de 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. 100 000. Facebook a bloqué ça. Je suis l'homme le plus attaqué sur les réseaux sociaux. Je suis l'homme, l'activiste le plus attaqué sur les réseaux sociaux. Donc reste tranquille, ce que tu fais là, c'est connerie. Si je ne faisais pas vu, qui allait me connaître Les gens me connaissent parce que je fais vu. Sinon, personne n'allait me connaître. Quand quelqu'un fait pas vu, là, personne ne le connaît. Mais va dans ton village. Même dans ton village, là-bas, on me connaît là-bas. Toi, on te connaît même pas dans ton propre village. Moi, on me connaît dans ton village. C'est ça la différence. Voilà. Quand toi, tu vas aller dans ton village, quand tu as dit mon nom, là, il y a au moins cinq personnes qui vont sortir, qui vont dire, je le connais. Mais dans ton propre village là, si ce n'est pas ta famille là, ils vont dire, c'est qui ça Ils vont te demander, c'est qui Personne ne te connaît dans ton propre village. Je suis connu là-bas que toi. Donc reste tranquille. Reste tranquille. On parle de moi au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, au Togo, au Bénin, au Burkina, au Mali. Partout on parle de moi. Toi qui parles de toi, même dans ton quartier, même tes voisins ne savent même pas que tu es leur voisin. Tes voisins ne savent même pas que tu es leur voisin. Voilà. Tes voisins ne savent même pas que tu es, es leur voisin. C'est ce qui fait que moi, quand quelqu'un fait vidéo sur moi, la personne fait des vues tout de suite parce qu'on me connaît. Parce qu'on me connaît. Sur toi, ils n'ont qu'à parler de toi sur le pas. Hein, C'est qui ça On parle de qui même? Hein, on dit, mais C'est qui ça même, au juste. Adjo, ah, il y a aller ailleurs. Personne ne te connaît. Ah, Il va quitter tout de la page d'avant là, là, là. Personne ne te connaît. C'est moi le King. Petit, reste tranquille. Je suis bomb, Bob. Bob la légende. Quand on dit une légende là, tu sais ce que ça veut dire Sur l'Internet j'ai fait toutes les guerres. Je deviens une légende. Et j'ai écrasé tous mes adversaires. C'est quoi, je suis une légende Je ne suis pas une légende pour rien. Quand je me connecte, ça fait déjà peur. Il y a des gens qui pissent sur Comme moi, je me connecte. Il y a des gens qui pissent, avant même de savoir ce que je vais dire. Ils pissent Quand on dit Bob Lee en ligne, ou bien Don Giovanni en ligne, il est en direct, il y a des gens là-même. là. là. C'est-à-dire que ça coupe leur appétit. C'est quand maintenant je commence à faire 5 minutes, 10 minutes, et puis je ne vais pas dans leur sens. Maintenant, ils commencent à respirer. Ouh, il ne m'a pas attaqué aujourd'hui. Il ne m'a pas attaqué aujourd'hui. Ah, Dieu merci. Par eux ils se disent qu'il y a un ramba qui a vérifié toujours quelque part. On s'est dit, Bob Lee, Foolie, reste pas à l'étranger. Forcément, elle va descendre sur moi. Ouais, non dans cette soirée, elle a échoué. Sur tous les plans. Côté organisationnel, elle a échoué. Le but, elle a échoué. La soirée a échoué. C'était juste un regroupement d'Africains là-bas pour faire leur show, comme aux Zouglou. Comme aux Zouglou, comme la façon dont vous allez aux Zouglou. C'est juste le cadre qui a changé. C'est comme aux Zouglou, c'est tout. C'est juste un show des soirs. Malheureusement, c'est ceux qui ont payé leur argent qui vont regretter. Je sais que beaucoup regrettent. Mais ils savent que si ça, ils ne vont pas prendre. Mais ceux qui ont payé vont demander leur argent. Mais ils savent qu'ils ne vont, vont plus revoir leur argent. C'est bon. Il ne sait pas combien de personnes il y avait parce qu'on ne nous a pas dit combien de personnes il y avait dans la salle, mais ça nous permettre de faire rapidement le calcul. <laughs> Pour savoir comment le petit a empoché lui et Moula. Parce que Moula est derrière tout ça. Mola est derrière tout ça. Le problème, c'est quoi ne qu voulait pas trop s'impliquer. Il ne voulait pas trop s'impliquer. Si aussi lui, Moula s'impliquait réellement, ça allait réussir. Mais je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas trop s'expliquer. S'impliquer plutôt. Il faisait comme s'il donnait son soutien. Une chose de loin alors qu'on sait que c'est lui qui a organisé ça tout le monde sait que c'est lui qui a organisé ça même moi je suis au courant il appelait même des gens en inbox en, en, en secret au téléphone pour leur dire pardon il faut partir il a demandé pardon à des gens il a appelé des gens pour leur demander de partir ah, on dit 600 tickets 600 tickets ça fait 60 000 600 tickets vendus ça fait 60 000, 60 000 euros. C'est que Mola s'est fait l'argent. Il s'est tapé sérieusement de l'argent. Il que c'est Mola qui était derrière tout ça. Tout ça a été fait par Mola. Il n'a pas voulu s'afficher il a voulu mettre le petit devant. C'est tout. Ah. Et moi, comme je l'avais dit là, il savait que ça allait échouer. Parce que. Ça n'a pas de sens que de dire qu'on va inviter des blogueurs à qui on va remettre des trophées. Trophée de quoi Je vous expliquais dès le départ. Trophées de quoi On va leur remettre des trophées de quoi De meilleurs clasheurs, de meilleurs insulteurs publics ou bien de quoi D'abord même, eux-mêmes ne s'entendent pas. Tu ne peux pas inviter euh, un cyberactiviste Pro Bagbo et un cyberactiviste RHDP, puis les mettre sur la même table. Ce n'est pas possible. Tu veux que les gens se frappent <laughs> Tu ne peux pas éviter un cyberactiviste pro Soro, et puis tu as invité un cyberactiviste RHDP, ben déjà les clashs vont commencer là, là dans la salle, tout de suite. C'était prévisible. Il faut faire les choses autrement. Ou vous ne mettez pas les politiciens dedans, les cyberactivistes, politiciens, et maintenant les autres là, maintenant, il faut, 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 faut les nominer dans des catégories. Soit les mal parleurs, les décrypteurs, à part les choses, comment dire genre... Euh, les casseurs de papou à part, chaque catégorie. Dans ce cas, peut-être que ça peut réussir. Et là, à chacun, là, vous prenez en fonction des de vidéos que les gens vont vous envoyer. C'est ce que j'avais dit dès le départ. Les gens se nominent à partir des vidéos, et puis leurs vidéos, là, vous les comparer aux autres vidéos, et puis voilà, les gens votent. Mais il n'y a pas eu de vote, il n'y a eu rien eu. Non, on va vous donner des fous. Qui a voté Il n'y a même pas eu une ligne ouverte. Même Miss Côte d'Ivoire, quand les gens font là, les gens votent en salle, mais une partie en ligne. <laughs> Non, il n'y a même pas eu de jurés. Il n'y a même pas eu de juré il y a eu de jury pour dire que, que les gens ont décidé. C'est un fiasco total. Fiasco. C'est un fiasco. Voilà. C'est un fiasco total. Quant à moi, ça ne me dit absolument rien. Je savais déjà ce qui allait arriver. Je vous informe comme je le fais d'habitude. Quand je vous informe sur une situation, vous savez, j'ai fait mon décryptage et j'ai fait le décryptage de cette situation et j'en ai, ai fini. C'était un fiasco, un échec total. Si ce, si, je vous laisse porter au bien. Ceux qui veulent faire leurs choses, comment dire. Les... Ceux qui veulent leur, reprendre leur argent, ils ont pleinement le droit de reprendre leur argent. Voilà. Si on ne veut pas donner leur argent, ils peuvent porter plainte pour escroquerie. Voilà. Et abus de confiance. C'est clair. Si c'est un fiasco, si ce moi je vous laisse. Portez-vous bien et à ciao.